Non, je vais en cours à 14h. Tu lances Rainbow Six ? MDR, c'est moche. Non, t'es moche 6-4. J'ai juste dit t'es moche parce que 6-4, je pense pas que je me mérite ce ban. C'est pas moi, hein. Cabani, mais bon, voilà quoi. Ça fait tellement plaisir de te prendre ce genre de petit truc dans la gueule, tu vois. Ah ouais, vous êtes... Eh, aujourd'hui, vous y allez sans... Il n'y a pas de déban, quoi. Il n'y a aucune gentillesse et aucune compassion, quoi. Il a le droit de le penser. De le dire sur un chat, orange, ça me fait chier, mais bon. Ok, ban, c'est vous qui décidez. Donc du coup, ce sera rejeté pour sa demande. C'est clair que tu méritais pas un ban, mais vu que t'es moche, bah, tu restes ban. Remember it. Combien de temps pour un tatou comme le tien, s'il te plaît ? Combien de temps pour un tatou comme le tien, s'il te plaît ? Combien de temps pour un tatou comme le tien, s'il te plaît ? C'est quoi le plus compliqué, les contours ou le remplissage ? C'est quoi les plus compliqués, le contour ou le remplissage ? Combien tu vas payer ? Combien tu vas payer ton tatou ? Combien tu vas payer ton tatou ? Je spamme pas, je répète, il m'a pas répondu, c'est normal, non ? Je spamme pas, je répète textuellement, donc je réécris. Donc je spam en fait. Je répète pas 30 000 fois d'affilée. Donc arrête de faire ta loi, MDR. Je veux juste savoir le prix. Combien pour un tatou comme le tien ? Ok. Bannir pour avoir dit « Vive la Bretagne !» Ça mérite de se faire ban ? Oh putain la vache. Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons certains. Qu'est-ce qu'ils font de la merde. Ok, vous avez décidé, vous avez voté, c'est un ban. 5v4, tu perds. Tu veux des subs, tu payes clochard. T'es nul là. 20 minutes de terreau pour ça. Remets-toi en question. Débanni 2 mois après. T'es nul. Je suis vraiment désolé. Je regrette mes mots. Si vous pourriez me déban, s'il vous plaît. Il a 13 ans, sérieux, il a 13 ans. Il a dit je suis désolé, ok? Il a dit désolé, il demande s'il vous plaît, dans un français... Dans un français approximatif, certes. Mais quand même, ok? C'est quand même relativement français, hein. Faut pas demander trop, quoi. Attendez, il s'est excusé, etc. C'est quand même un ban. Non, mais vous abusez, là, franchement. Et c'était en mai 2021. Attendez, Salty, mais pas que, quand même, tu vois. Tu vas le déban, il va recommencer direct. Bah non, pas forcément, pas forcément. Il regrette, faut déban. C'est bon, il a péremption. Péremption ? Genre, la date de péremption, c'est ça que tu voulais dire ? Bon, bah, finish, ok, bon, bah, je ban. Rejeté. Désolé, moi, je voulais te déban, mais les viewers ont dit non. 24-9-2019. Tu trash talk Mary dans ta vidéo où je trouve ça limite parce qu'il a fait toutes les vidéos de ta chaîne. Les 75 000 abonnés de ta chaîne sont mérités à 80% à Mary. Juste un truc avant que vous me banniez. Vive Mary, Toxis4, oups, misclick, j'ai les mains froides. Je comprenais pas et je comprends toujours pas pourquoi Mary n'est plus là. Il a rien lâché. Adrien FTN. Est-ce que ce serait pas l'abréviation de Fortnite? Accueil. Joueur Fortnite. Petit youtubeur. Twitter Adrien nanana. Ok, on va aller voir ça, t'inquiète. On est là, Adrien. Mais attends, mais il a quel âge? Mais c'est pas possible! Je pensais qu'il avait 8 ans! C'est pas lui, tu penses? Ah non! Ah ouais! J'ai oublié de trash chiffres. C'était tellement impossible. Ok, Adrien, 16 ans. Voilà. Pro Fortnite, fort moi-même. Twitter, Adrien FN. Ah bah, c'est ses orientations politiques. Hein? Voilà. GPU, RTX 270, MSI, tac-tac-tac, périphérique. Ok, 16... Visiblement, papa et maman sont très sympathiques, mon gars. Hein, parce qu'il a, il a un setup. Eh, à l'époque, il avait le setup de Mary, quoi. Non, mais sérieusement. C'est vrai, il a un setup d'enculé quand même. Attends, mais il est affilié en plus, non? Ah, comment je t'ai niqué? Voilà, jardin des Tuileries, t'inquiète. Suivi par Kingstar. Non, mais tu te... Hey, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ok. Ok, ok, Adrien. N'hésite pas, la prochaine fois que t'as des conseils à nous donner par rapport à la chaîne YouTube, ne les donne pas. On n'a pas vu la chaîne YouTube du coup. Ah, 188 abonnés quand même. Adrien, on va faire un truc, ok? Quand tu veux nous donner des conseils sur YouTube, je te jure, on les écoutera dès que tu dépasseras les 200 abonnés, ok? C'est-à-dire dès que l'intégralité de ta propre famille sera abonnée à ta chaîne YouTube, on en discutera, mon loup. Avant ça, travaille un peu, ok? Échange de choses.
GG, en 2h mardi, j'ai eu ma clé MDR et je suis sur PS4. MDR, j'ai eu ma clé en 2h mardi, Six, et je suis sur PS4. 6-4, en 2h mardi, j'ai eu ma clé MDR, je suis sur PS4 en plus. Ah mais mec, non mais les gens n'ont pas compris que c'est pas parce que tu prends les morceaux de la phrase et que tu les remets comme ça, tu vois, que je vais forcément plus lire en fait. Il se peut que je sois en train de faire autre chose. Ou alors, il se peut aussi, je suis désolé, ça arrive. Et je vais abîmer certaines sensibilités ici présentes sur le chat. Et j'en suis désolé. Mais il se peut, de temps en temps, ça arrive. C'est rare parce que vous êtes tellement exceptionnel. Mais que je vois un truc dans le chat et je m'en bats les couilles en fait. Ah ouais non, c'est un genre. Ah ouais, je m'en tartine le fion en fait. Ah si, bah je vois le truc et je me dis, ah ouais, c'est inintéressant en fait. Ok, alors, Six, en 2h mardi, j'ai eu ma clé MDR. Le pire, c'est que je suis sur PS4. Il a rajouté une emoji, le pire. Il est trop fort. Je suis sur Play et j'ai eu ma clé MDR, des orneaux. J'ai eu une clé en 2h mardi, MDR. Je suis sur Play, je la vends. En 2h mardi, j'ai eu mon code Six, MDR. Sauf que je suis sur Play. J'ai eu une clé Valorant, je suis sur PS4. S'il y a des intéressés, go MP. Ban, j'étais jeune. Maintenant, j'ai 18 ans. Une erreur parmi quelques-unes. J'étais jeune, maintenant j'ai 18 ans. Oh là là, eh, vous verrez, 3 ans après 18 ans, vous verrez, vous direz, ah j'étais jeune. Et 3 ans après, vous direz, putain la vache, j'étais jeune. Et ça peut durer encore un certain temps. Tu diras, oh, putain la vache, 36 ans, putain, j'étais jeune. Alors c'est bon, vous avez voté? Ban? Mais vous êtes des fils de pute, sérieux, franchement, je vous le dis, hein. Mais d'où Ban? Ça va, quoi. Et il a dit qu'il était jeune, donc il a fait une erreur, et il a raison, merde. Non mais sérieusement, il a pas insulté. Mais vous abusez grave. Et franchement, ça c'est un déban, quoi. Non, je vais vous claquer un 49-3, je vous le dis tout de suite, hein. Gros nul, nullard, nullos. Chiasse. Imaginez ce que c'est la vie de streamer. Donc t'as quelqu'un qui rentre chez toi et qui fait chiasse. Et il se barre. Et il revient un mois et demi après. Et il te pose une question. Ah, en fait, c'est quoi le streamer mode? Et toi, tu fais... Tu te rends compte, t'as chié sur mon paillasson ou pas? Wesh, y'a quoi? Oh putain, la vache. Oh putain, le gros troll, sérieux. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ok, ok, ok. Pourquoi ça s'est pas marqué dès le début, ça? Pourquoi y'a pas un warning là-dessus, quoi? Comment c'est possible que ça passe, ce genre de truc, sérieux? Franchement, essayons de trouver un truc avec une grande sagesse absolue, quoi. Désolé, mais... Non, faut pas déconner, ça. C'est quoi, ce mec? T'es comme McDo, t'es bon, mais t'as pas la tête qui va avec. T'es comme les frites de McDo. Bon à l'intérieur, mais pas beau à l'extérieur. Ouais, non, j'ai pas la ref. Salut, 6-4. Mais t'imagines, le mec, sérieusement... Et vous avez tous des doubles personnalités, c'est pas possible, quoi. Eh, hey, j'encule ta mère, ok? Le mec, il revient 2 mois après. Eh, hey, salut, comment ça va? J'ai le premium. Look le chat du jeu. Hey, look le chat du jeu. Salut, c'est moi, Mapco. Je suis aussi et sur ton live et dans le chat du jeu. Quel hasard. Putain, je ne le savais pas. En plus, c'est sur Battlefield, jeu sur lequel tu es fortement connu. Et il a fallu que je vienne te voir. Putain, c'est dingue.